Salut tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un superbe tuto, un tuto d'une superbe maison moderne, donc une grande maison moderne quand même, elle est vraiment très sympa, hein. Je vous laisse ici sur l'image de celle-ci, c'est vraiment que le tuto va vous plaire. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit like, petit défi 300 likes comme d'habitude, et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Alors cette maison, c'est une maison faite en béton blanc avec une structure, une toiture en béton gris et terre cuite sillon. Donc voilà, c'est vraiment une très belle maison, moi en tout cas je la trouve très sympathique. Donc voilà, on était sur l'avant, ici on est sur le côté droit, hop, ici on est sur l'arrière de la maison, et là on est sur le côté gauche de la maison. Voilà, donc au niveau de la maison, on a ici un petit garage sur notre droite, on peut rentrer par ici sur la gauche. Là on arrive directement au rez-de-chaussée avec ici le garage, et puis on peut aller en haut, hop, ici arriver à l'étage. Donc ici on a une première pièce, et ici on a une seconde pièce un peu plus petite. Mais voilà, je trouve vraiment que le tuto est superbe sympa. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, comme je vous ai dit, à vous abonner. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que ça va vous plaire. On se retrouve tout de suite pour la création de cette magnifique maison moderne. Alors voilà les amis, pour le tuto, nous allons avoir besoin des différents blocs que moi j'ai ici, ci-dessous. Donc, nous allons prendre le béton blanc, le béton gris, la terre cuite cyan, le béton gris clair, les escaliers en pierre ou les escaliers en briques de pierre. C'est à vous de voir. Moi, je vais prendre les escaliers en pierre. Les barrières en bouleau, les bannières gris clair. Donc là c'est les barrières et là c'est les bannières. Faut vraiment faire la différence. Ici c'est les vitres teintées en noir et également les feuilles de chêne. Donc il y aura sûrement d'autres blocs qui vont se rajouter par la suite, mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude je vous dirai les différents blocs à prendre. On va commencer directement du coup avec notre bloc de béton blanc. On va faire comme si la route elle était à peu près à ce niveau là et nous on va se placer à environ 10 blocs. Donc regardez, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on va se placer à peu près ici. Et on va commencer directement avec le mur de façade. On va placer directement au sol 11 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Parfait. Et ensuite, on va pouvoir poser ici sur la gauche 9 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là-bas, pareil, on rajoute 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Parfait. Ensuite, on peut tout simplement venir attacher nos deux murs. Voilà, parfait. Donc, on a déjà ici notre base au sol qui est faite. On va pouvoir maintenant encore augmenter cette base de 7 blocs en hauteur. Donc, regardez, on a déjà un bloc. Et on va encore mettre 7 blocs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Parfait. Maintenant, on va monter tout simplement tous les murs et on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, une fois que nous avons terminé de faire ici la forme, ici donc le rectangle, maintenant nous allons pouvoir prendre ici les escaliers en pierre et on va pouvoir venir en mettre ici, hop, comme cela, hop, sur tout le long. Ici on dépasse d'un bloc sur la droite et sur la gauche, voilà, et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on vient ici, hop, et hop, on fait ça comme ça et on fait ça jusque de l'autre côté. Alors hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut continuer tout simplement toujours en prenant les escaliers en pierre. On va venir ici, on va faire la technique avant-arrière, donc derrière, devant, hop, derrière, devant, derrière, devant, hop, derrière, devant. On va faire la même chose de l'autre côté pour arriver à peu près au même niveau. Donc voilà, hop. Alors, voilà, hop. Hop, voilà, on est au même niveau, mais on va continuer encore, donc ici, hop, hop, et là également, voilà, et voilà, c'est parfait. Donc une fois qu'on a fait ça du côté droit, on va faire exactement la même chose du côté gauche, donc hop, c'est vraiment la même technique à chaque fois, hein, avant et arrière. Hop, voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, on continue. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend le béton gris. On va venir ici d'abord sur le béton blanc. Et en fait, on va mettre du béton gris comme ça en montant tous les 1 bloc. Regardez, on fait ça comme ça des deux côtés. Hop, donc je vais faire déjà ce côté-là. Hop, ici, comme ça. Voilà, parfait, on va faire la même chose par ici en descendant. Du coup, je vais mettre ça en accéléré, on va se retrouver tout de suite.
Alors voilà les amis, une fois qu'on a terminé de faire ça, maintenant on peut combler en béton blanc les deux trous ici. Hein, donc je vais faire celui-là et on va se retrouver tout de suite après quand on aura fait l'autre également. Alors voilà les amis, une fois qu'on a terminé de faire ça, on peut maintenant se rendre sur la gauche de la maison, donc à gauche du bloc ici. On va pouvoir venir ici, on va laisser deux blocs d'espace, comme ça, 1 et 2, et là on va faire 1 et 2, comme ça, d'accord? Ensuite, on va maintenant ici faire encore 1 et 2 pour avoir ici 1, 2, 3 blocs, comme ceci. Ensuite, on démarre de là et on va aller jusque de l'autre côté, on va faire exactement la même chose. Donc on laisse ici deux blocs, 1 et 2, et là on fait tac, tac et tac pour arriver au même niveau que là, d'accord? On va encore augmenter ça sur 3 blocs encore en hauteur, donc 1, 2, 3, on rajoute comme ça 3 blocs, hein. On rajoute 3 blocs comme ça partout sur l'ensemble du mur. Alors voilà qu'on a terminé de faire cela, on peut maintenant prendre les escaliers en pierre, on va venir ici. Alors hop, regardez juste à ce niveau là, on va faire 1, 2 et 3, on peut ici... Hop, dépasser de 1 bloc, puis on vient ici, on va faire tout simplement encore, hop, 1 et 2, comme ça. Et puis on va encore mettre ici 1, 2 et 3 si je ne me trompe pas. Alors je vais quand même vérifier sur mon PC, c'est bien ça, donc on rajoute encore 1, 2 et 3. Et là du coup on va mettre 1 à l'envers, et puis 1 à l'endroit comme ça, tout simplement. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, donc on vient ici. 1, 2, 3, on dépasse de 1 ici, puis là on rajoute 1 et 2, et puis encore 1, 2 et 3, on met 1 à l'envers, comme cela, et 1 à l'endroit, parfait. On va revenir sur l'avant, voilà, comme ça, et là on va pouvoir refaire encore une fois la structure du toit. Donc on démarre d'ici, on va faire, hop, encore une fois la technique de l'avant et de l'arrière, hop, comme ça. Par contre là, au niveau du haut du toit, on va faire quelque chose... on va pas faire le toit en pointe, vous allez voir, on va s'arrêter déjà ici pour le moment. Hop, et là on va continuer également. Hop. Alors voilà. Et là, si je ne me trompe pas, on doit faire 1, 2, 3 et 4 comme ça. D'accord ? Donc vous allez comprendre. Normalement, si je me trompe pas, c'est bien ça. Je vais quand même vérifier, mais je pense... Ouais, non, en fait je me suis trompé, il faut encore ajouter un escalier de chaque côté. Donc hop, regardez ici, on va rajouter juste un escalier là et un escalier là. Et là, on peut encore ajouter un escalier du coup au-dessus, ici et ici. Et en fait, au final, il doit rester deux blocs comme ça qu'on doit venir combler, hop, comme cela, tout simplement. D'accord ? Donc il doit juste rester deux blocs comme ça qu'on doit venir compléter comme ça. On va prendre le béton gris qu'on va venir placer à partir de là. On va faire maintenant encore comme la toiture ici au-dessus, hein. On va faire exactement la même. Regardez, hop, on fait ça, et on fait ça à chaque fois, jusqu'à atteindre le mur. Donc hop, 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 hop. Voilà. Hop, ici on fait comme ça, 4 blocs. Voilà, comme ça, puis là on recommence, tout simplement. Voilà, et ici on fait ça comme ça, parfait, donc on a terminé ce coin là également, je pense n'avoir rien oublié. Encore une fois, on reprend le béton blanc et on va venir combler à ce niveau là. Hop, parfait, comme ça, voilà, et là également. Voilà, parfait, c'est terminé également ici. Donc voilà, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant prendre la barrière en bouleau. Donc elle est ici. Et on va pouvoir déjà venir là, on va faire hop, tac, tac, et hop, c'est ici en fait, voilà. Hop, comme ça, on va faire un petit pilier comme ça qui retient un peu la toiture. Donc je trouve ça pas mal. Maintenant, on va pouvoir maintenant passer à la structure de droite, donc ici, et on va faire ça tout de suite. Donc voilà les amis, maintenant on reprend le béton blanc, on va venir ici, sur ce mur-là, on va compter ici 5 blocs, donc 1, 2, 3, 4 et 5, au cinquième bloc on s'arrête et on va pouvoir mettre 6 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait. Une fois qu'on a mis ces 6 blocs, on peut venir sur la gauche et on va pouvoir mettre ici, si je ne me trompe pas, 11 blocs,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant venir là. Là, on va rajouter 7 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, là, on peut venir rejoindre notre mur ici. Voilà, parfait. Là, maintenant, on va pouvoir mettre 4 blocs en hauteur au total. Donc, on a déjà un bloc. On doit encore ajouter 3. 1, 2 et 3. On fait ça sur la totalité de la structure ici. Hop, je vais mettre ça en accéléré. On va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, une fois que vous avez terminé de mettre tout à 4 blocs en hauteur, vous allez prendre maintenant les escaliers en pierre. On va pouvoir venir ici à ce niveau-là. Hop, on va mettre ici tout simplement jusqu'à dépasser de 1 bloc ici. Et là-bas, on va faire exactement la même chose. Donc on vient là, hop, tac et tac, on dépasse d'un bloc. Et ici pareil du coup, hop, comme ça. Parfait. Ensuite, on revient sur l'avant. Et là, encore une fois, on va faire la technique pour monter jusqu'en haut. Tac, ici, avant, arrière, à chaque fois. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment. On va faire la même chose par ici. Hop, et encore une fois, on fait la même chose. Voilà pour arriver comme ça, avec deux escaliers qui se croisent comme ça. On va faire exactement la même chose par ici, sauf que là, vous voyez que ici, on ne sait pas commencer depuis le bord. Du coup, on va commencer d'abord par ici. Et on verra où on arrive au niveau du milieu pour continuer de l'autre côté. Donc hop, on fait comme ça. On fait comme ça, voilà. Voilà, là vous voyez qu'on est à la même hauteur que là-bas du clou. Là on peut venir descendre tout simplement pour arriver sur le mur. Hop, comme ça, parfait. Une fois qu'on a ça, maintenant on va pouvoir prendre soit le béton gris pour rester dans les tons ici. Moi ce que j'avais fait c'est que pour changer j'avais pris la terre cuite cyan pour me donner une couleur un peu différente. Donc là voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je préférais prendre la terre cuite cyan pour ajouter une nouvelle couleur. Mais c'est vraiment comme vous le désirez. Donc voilà, là on fait toute la toiture encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. On passe d'un côté à l'autre tout simplement en mettant nos blocs de terre cuite cyan en l'occurrence ici, hop. Voilà, parfait. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre béton blanc et encore une fois, on va venir combler ici les différents trous qui sont observables à ce niveau-là. Voilà, déjà par ici et on fait la même chose par ici. Alors, hop, et ici, ok, la même chose, parfait. Alors, une fois qu'on a fait ça, nous avons terminé pour la structure principale de la maison. Maintenant, on va commencer à mettre tout simplement les fenêtres, hein. Les fenêtres, les portes, le garage également. Donc on commence directement avec les vitres teintées en noir. On va pouvoir venir en placer deux ici. Donc hop, comme ça tout simplement déjà. Puis on va pouvoir déjà venir en placer également 3, même 6 je dirais, ici. Donc on vient ici, on laisse deux blocs d'espace, 1 et 2. Et là on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on pose nos 6 petites vitres comme ça, parfait. D'accord. Ensuite, on va venir juste au-dessus, on va poser ici avec deux blocs d'espace, hop, ici, deux vitres, comme ça. Donc toujours les vitres teintées en noir, hein, de la sorte. Et on va mettre ici d'ailleurs du béton gris clair, juste là et là. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on peut prendre les bannières gris clair, on va pouvoir en placer une ici et ici. D'accord. Et on va pouvoir venir en placer ici, mais d'abord on va mettre les vitres teintées en noir. Donc on va venir là, on va faire ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on pose donc des vitres teintées en noir comme ça, avec des bannières là et là. Parfait, ça nous donne ça. Donc là nous avons quasi terminé au niveau de l'avant. On a encore le garage à venir placer ici. On va faire ici 1, 2, 3 et 4. On fait ça comme ça. Même sur 3 blocs comme ça en hauteur. On vient à l'intérieur, on va mettre du béton gris clair sur 4 blocs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parfait, on peut maintenant ressortir. Voilà. Alors hop, juste remettre la bannière, parfait. Et du coup ici on a notre garage qui est fait, mais ce n'est pas terminé. On va prendre soit des trappes, hop, ici des trappes en fer que vous pouvez mettre comme cela, vous voyez. Ou alors vous mettez comme moi des dalles de quartz, c'est à vous de voir.
ce que vous préférez. Moi, je préfère faire ça comme ça. Et du coup, là, je vais placer tout simplement deux petits boutons à ce niveau-là, comme ça, avec des vitres teintées en noir sur le dessus, comme ça, pour faire mon petit garage. Voilà, parfait. Une fois que c'est fait, on prend des feuilles de chêne. On peut déjà venir en placer ici 1, 2, 3, 4, 5. On va même aller jusque de l'autre côté, tout simplement. Hop, ici, comme ça. Voilà, ce n'est pas terminé. On va également en placer ici, regardez, 1 et 2. Et on met soit une barrière en bouleau ou alors un autre type de barrière, hein, comme par exemple les barrières en chêne sombre. Hein, ça peut être sympa également, voilà, comme ça, pourquoi pas. Du coup, là, on est bon. Je regarde ce que j'ai oublié sur l'avant, là, c'est OK. Toujours pour l'avant, vous allez prendre maintenant, ici, tout que je regarde. Voilà, on va prendre l'andésite poli. On va prendre également une enclume. Alors, les enclumes, c'est ici, je pense. Voilà. On va venir au niveau du toit. On va faire une petite cheminée. Voilà, vous la mettez à peu près où vous voulez. Moi, je vais la mettre ici. 1, 2, 3 en hauteur avec une enclume sur le dessus. Ça nous fait notre petite cheminée. Moi, j'aime bien ça. On va garder l'andésite poli. On va venir au niveau ici du béton blanc. On va faire ici toute une petite tranchée. Hop, 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 jusqu'à atteindre les feuilles, hop, on fait ça et on met ici de l'andésite poli. On va placer à l'intérieur, on va enlever l'herbe et à la place on va pouvoir mettre de la pierre taillée. Donc vous enlevez toute l'herbe au niveau de l'extérieur, hein. Jusqu'ici on va pas aller plus loin, mais voilà, toute l'herbe qui est ici, on va se retrouver tout de suite une fois que vous aurez mis la pierre taillée. Alors voilà les amis, une fois que vous avez terminé de mettre la pierre taillée, le résultat est celui-ci. Alors là, je vais juste enlever le bloc qui représentait la route. Donc voilà, ça nous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on peut aller sur l'arrière de la maison pour rajouter également tous des vitres également, hein, comme on a pu faire à l'avant. Alors, attendez, je regarde juste un truc. Ouais, ok, donc on va faire à peu près les mêmes vitres au même endroit. Donc, hop, on va déjà pouvoir venir, hop, ici, faire ici une fenêtre. Hein, donc, 1, 2, 3, on fait ça comme ça. On peut peut-être même la faire un peu plus grande. Voilà, on peut même venir ici rajouter déjà notre petite barrière, comme à l'avant. Là, on met 4 blocs de vitres teintées en noir. Hop, on met ensuite des bannières comme ça. Au-dessus, on va faire ici une petite vitre. Voilà, comme ça, parfait. Avec des vitres teintées en noir également. Voilà, ça nous donne ça. Parfait. Ici, au lieu de faire une porte, on va tout simplement combler avec des vitres teintées. Voilà, parfait. Alors là, juste, on va faire ça pour le moment. On verra par après. Donc voilà, on fait ça, c'est très beau comme ça. On peut mettre d'ailleurs des petites bannières, hop, comme ça, pour rajouter un peu plus de détails. On peut même le faire ici si vous voulez. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est vraiment comme vous voulez, hein. C'est juste pour le détail. Là, on va rajouter une fenêtre aussi, hein. Il y en avait une ici. Hop, on fait ça, parfait. Là, du coup, ouais, c'est bon, il y a un bloc de béton blanc. Du coup, là, on est pas mal. Je vais juste rajouter un peu de végétation en mettant par exemple des petites fleurs. Voilà, je vais prendre des bleuets. Alors hop, j'en rajoutais ici 1, 2, 3, 4 comme ça juste devant la fenêtre. Je trouve ça assez beau. Parfait. Ensuite, on peut prendre des feuilles de chêne. On va venir ici, on va peut-être faire hop un petit peu de végétation comme cela. Voilà, on peut mettre, venir jusque comme ça. Voilà, pourquoi pas. Là, comme c'est le garage, je vais pas mettre de... Enfin, si, je pourrais peut-être mettre une petite vitre. C'est pas dérangeant, je pense, à ce niveau-là. Hop, attendez, je regarde. Voilà, si on fait peut-être un truc comme ça, voilà. Avec du béton gris clair ici et ici. Ou alors peut-être plus comme ça. Hop, voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa. Après, là, je vous laisse un peu aussi l'imagination, hein, c'est comme vous voulez. Je vais laisser ça comme ça pour l'arrière. Alors ici, soit les feuilles de chêne, vous les laissez, soit vous pouvez les continuer comme moi je suis en train de faire ici et les faire revenir par exemple jusque là. Voilà, ça c'est une idée, c'est comme vous voulez. Et du coup là, au niveau de l'extérieur les amis, la maison est terminée. Juste maintenant l'intérieur, vous allez pouvoir déjà enlever tout le mur qui est ici, hein. Donc tout ici, le mur qui est là, vous pouvez l'enlever. Hop, je vais faire ça assez vite. Voilà, hop, hop, hop. Là, on verra ensuite pour l'étage, mais voilà, au moins ça c'est fait. Parfait. Alors, au niveau de l'étage, moi je vous conseille de faire l'étage au niveau juste au-dessus des fenêtres, donc au quatrième bloc en hauteur, hein, c'est bien ça. Voilà, vous mettez donc du béton blanc partout. Je vais faire ça, je vais mettre ça en accéléré.
Voilà, donc on met ça sur l'ensemble de l'étage. Alors voilà les amis, j'ai donc fini de faire l'étage, donc voilà, ça nous donne ça, c'est super sympa. Alors là, le béton gris, soit vous le laissez comme ça, soit vous mettez des escaliers en pierre, par exemple, sur l'ensemble de la toiture. Moi, c'est ce que je vais faire, je trouve que le résultat est un peu plus sympa à l'œil. Donc regardez bien comment je fais ça. Hop, j'espère que la luminosité est assez forte pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Hop, parfait, donc voilà, je trouve que le résultat est un peu plus sympa comme ça. Donc d'ailleurs, vous pouvez faire encore la même chose à ce niveau-là, hein. Regardez, hop, on fait ça. Voilà, et là également. Voilà, parfait. Donc là, les amis, on a terminé au niveau de l'étage qui est fait également. Alors là, soit ça peut être une chambre, soit vous pouvez faire ce que vous voulez. Hop, moi, je vais juste refermer un peu plus comme ça, voilà, pour que ça soit un peu plus sympa. Parfait. Alors, on va redescendre en bas. Hop, donc là, après, le sol, je vous laisse faire le sol que vous voulez. Moi, je veux juste faire ici la petite entrée pour accéder au garage. Voilà, parfait. Donc là, pareil, hein, vous pouvez mettre des escaliers en pierre sur l'ensemble ici. Hop, au niveau de la terre cuite scie. Voilà, parfait. Alors, hop, voilà. Donc là, on a le garage. Le garage, vous pouvez faire ça comme ça. Hein. Hop, voilà. D'ailleurs, ici, on va faire ça comme ça, voilà. Et du coup, là, le garage est terminé. Donc là, pareil, hein, moi, je vous conseille de faire, par exemple, une petite porte comme ça au niveau du garage pour pas qu'il soit directement en contact avec le reste de la maison. Hop, voilà, une petite porte comme ça. Voilà, ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement l'escalier pour accéder à l'étage. Donc ça, on va le faire juste ici. Hop, on fait ça comme ça, tac, tac. Donc là, vous faites avec les blocs que vous voulez. Hein. Moi, je prends les escaliers en pierre, mais si vous voulez prendre les escaliers en quartz ou en bois, c'est comme vous le voulez. Hop, voilà, on fait ça et on accède directement à notre étage. Voilà, et on met donc des vitres teintées en noir ici. Voilà. Donc, parfait, là, on a l'étage. Ici, on a le rez-de-chaussée, là. Donc, comme je vous ai dit, le sol, vous faites comme vous voulez. Hop, ici, on a ça. On peut mettre, d'ailleurs, du béton blanc jusque là, voilà. Pareil, on va faire la même chose à l'arrière. Hop, ici, on va mettre du béton blanc, hop, jusque là. Voilà, parfait. Alors, je regarde pour voir si je n'ai vraiment rien oublié. Juste mettre de la vitre teintée en noir ici pour la porte. Voilà, comme ça. Par exemple, en faisant comme ça, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère mettre toute la vitre teintée en noir comme ça. Hop, juste faire ça. Et voilà, je pense que les amis, la maison est totalement terminée. J'espère vraiment que le tuto vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit like. Et n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Les amis, c'était Cardex. On se retrouve assez vite pour de prochains tutos, de prochaines vidéos sur la chaîne. Salut à tous !